Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce fil de rencontre qui va nous emmener aujourd'hui. Il est assez long parce qu'il va arriver jusqu'au Moyen-Orient et ce qui se passe dans ce Moyen-Orient compliqué et complexe et qui se complexifie de jour en jour dans l'actualité que nous vivons et surtout depuis quelques semaines. Un Moyen-Orient qui connaît encore un peu plus les troubles, l'instabilité, les guerres, les luttes, les clans, les lobbies. Un Moyen-Orient très inquiétant, extrêmement inquiétant. Pour débattre de la situation actuelle du Moyen-Orient, j'ai invité mon ami Monsieur Ali Zreig. Ali Zreig est un franco-libanais, membre du bureau national des LR, donc les Républicains. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi LR, on en parlera tout à l'heure, parce que c'est compliqué, républicain et c'est tout. Donc, très actif, analyste politique, on le voit souvent sur des chaînes de télévision françaises et non françaises, et proche des milieux chiites du Moyen-Orient. Nous allons évoquer diverses questions avec lui. Monsieur Zreig, bonjour et bienvenue sur notre antenne. Bonjour, bonjour Monsieur Matlouti, à vous et à vous, téléspectateurs. Ils vont avoir à vous découvrir aujourd'hui. J'ai parlé, j'ai dit le but principal de notre rencontre aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient. Il y a une actualité immédiate, c'est celle de Rafiq Hariri. Rafiq Hariri, c'est sur votre moitié libanaise, était votre premier ministre. Absolument. Je voudrais savoir comment vous avez vécu en tant que Libanais, citoyen, indépendamment de tout jugement politique sur le Premier ministre et sa personnalité, le fait qu'une puissance étrangère retienne en otage votre Premier ministre, l'oblige à démissionner. Pouvez-vous nous donner un éclairage et nous expliquer d'abord votre sentiment et après nous expliquer comment ça s'est passé et dans quel contexte? Oui. C'est vrai, là nous sommes face à un sujet très, très compliqué et très complexe. Et donc, pour parler sentiments, on avait un sentiment mitigé en tant que Libanais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a sentiment à deux étages. Premier étage, c'est humain, parce qu'on pense que c'est un homme libanais qui a été retenu contre son plein gré dans un pays qui est censé être ami à la base. Et puis, on a vu à la télé comment ça s'est passé, sa démission, de quelle manière ça a été fait. Donc tout ça, ça a suscité une certaine émotion dans la rue libanaise. Enfin, censé être ami quand même, je suis obligé de vous interrompre un tout petit peu pour dire moitié ami, moitié ennemi avec le Hezbollah et l'Arabie Saoudite. Allez, pour l'instant, je veux dire, le Liban garde Disons toujours. que le Premier ministre était considéré internationalement comme l'allié de l'Arabie Saoudite. Allez, on va le dire comme ça, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Moi, D'accord, n'employez pas dire. d'accord. Bon, le Liban aujourd'hui est divisé en deux parties. Donc il y a une partie qui est pro et une autre partie qui est un peu Ça moins va, pro. on avance au Hein? Liban. À un moment, le Liban était divisé en 15 ou 20 parties. Maintenant, Maintenant, c'est ça va. deux. Donc, juste pour continuer dans la Oui. partie sentiment, comment la rue a perçu cet enlèvement, je dirais, par l'Arabie Saoudite. Bon, ce qui s'est passé, donc, ils l'ont retenu là-bas, et puis bon, la rue libanaise était un petit peu révoltée, était inquiète, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, ils ne comprenaient pas, en fait. Après, Est-ce que c'était insultant? bon, on va y venir, mais au départ, on avait un petit peu peur, on ne savait pas ce qui allait se passer dans la rue. D'accord? On ne savait pas ce qui allait se préparer pour le pays. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, on avait un autre sentiment national qui était en fait un sentiment un désaveu, je dirais un manque de respect, même une agression totale de la part de l'Arabie saoudite envers le Liban. Voilà, c'est comme ça que ça a été vécu. Mais bon, C'est pas un précédent dangereux, vous qui êtes français, qui vivez en France également, vous êtes franco-libanais, c'est pas un précédent extrêmement dangereux qu'un premier ministre d'un pays souverain, invité par un autre État souverain, soit retenu et obligé à démissionner. Je veux dire, maintenant, dans toutes les visites officielles, dans des pays de ce type, on peut avoir peur si il y a une visite officielle, si le président ou le ministre rentre chez lui ou non. c'est inacceptable. D'abord, ce qui s'est passé est inacceptable. Aujourd'hui, nous pensons au Liban que ce qui s'est passé, comme vous l'avez dit, est très grave. Est très grave. Et c'est un précédent pour des relations, je dirais, sur long terme avec l'Arabie saoudite. Ça va dessiner, je dirais, en quelque sorte, un autre profil entre les relations libano-saoudiennes ou saoudi-libanaises. Donc, pour nous, la dangerosité de l'histoire, c'est quoi? C'est que nous avons un homme qui représente un pays, qui est le Premier ministre, et a été, en fait, on va dire les choses comme elles sont, retenu contre Sans gré. son gré en Arabie saoudite. Même, on l'oblige à démissionner.
ce qui est grave et ce qui est dramatique. Et puis là, bon, d'ailleurs, tout ça... Celui qui rira le dernier. Absolument. Mais je voudrais quand même dire une chose. Je pense, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, les Saoudiens ne s'attendaient pas à la réaction immédiate de du peuple libanais. J'aime pas le mot rue. Il y a eu une solidarité inattendue. Absolument, absolument. Parce que les gens ont compris l'histoire, et très vite. La rue libanaise, même les milieux politiques libanais, tout tendance confondue, ils ont compris l'histoire. Bon, il y en a certains qui sont de connivence, ils étaient dans ce complot. Qui, par exemple? Nassim El-Jajar, par exemple. C'était le premier qui a été poussé, les Saoudiens, à changer d'homme. Pour la classe unite. Pourquoi libanaise. Faire? Il ne pouvait pas, de par l'organisation confessionnelle libanaise, Samir Jaja ne peut en aucun cas être Premier ministre. Pas lui. Ce sera toujours un sunnite. Lui, il a dit que M. Hariri, actuellement, ne peut plus faire face à Hezbollah et aux politiques, en fait, qui sont contre l'Arabie saoudite dans la région. C'est comme ça que ça a été perçu. Qu'il fallait changer maintenant d'interlocuteur à notre leader. Pour la classe unite. Donc c'est pour cette raison, à un moment donné, il y a eu une poussée pour désigner Baha Hariri, c'est-à-dire le frère de Saad Hariri. Sauf que la classe, le parti futur au Liban, par le biais de ses leaders locaux, donc ils ont annoncé que c'est inacceptable, qu'on ne peut pas accepter ça, que ici, en fait, ça ne marche pas, on ne décrète pas un leader, d'accord? On a des votes internes, nous avons des désignations en interne, ça se passe, c'est au Liban. Donc il y a eu des oppositions internes. Bien évidemment, bien sûr, même Sagnoura l'a dit, même à la fin, Machnouk, qui est actuellement... C'est surprenant, parce que Samir Jaja, il est chrétien libanais, et la situation actuelle, nous savons que Michel Aoun s'est rapproché considérablement du Hezbollah. Donc je ne comprends pas. C'est contre la voie choisie par le leader des chrétiens. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas oublier quand même qu'il y a une grande divergence entre le président libanais Michel Aoun, général Michel Aoun, et Samir Jaja. Et cette alliance, je veux dire, de circonstances qui a été faite au moment des élections, c'était passager. Mais aujourd'hui, on revient toujours à dire, voilà, les intérêts iraniens sont mieux défendus au Liban que les intérêts saoudiens, que maintenant M. Jaja, il se dit garant des intérêts saoudiens au Liban. Voilà. En fait, ce sont les deux têtes de pont de l'islam qui se font la guerre au Liban par Libanais interposés. Ça veut dire que le clan des sunnites, représenté par l'Arabie saoudite, et le clan des chiites, représenté par l'Iran, se font la guerre par Libanais interposés. On va dire, il n'y a pas une vraie guerre au Liban. Le mot peut-être... Non, une guerre, disons, des luttes, du lobbying. On va dire que ce sont des détentions internes, des tensions pour défendre... Comment il n'y a pas de vraie guerre au Liban? Le Liban est engagé, qu'on le veuille ou non, dans les guerres avoisinantes. Oui, mais ce n'est pas une guerre au Liban. Entre inter-libanais, oui. C'est pas inter-libanais. D'accord. C'est pour ça que je vais... Mêmes mots. Non, au Liban, c'est un pays quand même, malgré toutes les tensions dans les pays aux alentours du Liban, on est resté un pays stable. Malgré les mouvements terroristes de Daesh qui étaient à Arsal et dans la partie en fait, nord du Liban, étaient vraiment même occupés des terrains libanais, on avait une certaine stabilité. Parce que la classe politique libanaise comprenait très bien qu'il fallait en fait... On va revenir, pour ne pas perdre le fil de la conversation, on va revenir à Saad El-Hariri. Donc il y a eu cette réaction, il y a eu des pressions. En discutant avant cette émission, vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous m'avez dit « la France n'a pas rendu service à Saad El-Hariri, elle a rendu service à l'Arabie saoudite en faisant pression pour libérer Hariri ». Est-ce que vous pouvez le redire et l'expliquer? Non, voilà. Donc simplement... Quand il y a une action politique qui est faite, elle n'est jamais faite dans un seul sens. Elle est faite peut-être, elle peut viser plusieurs objectifs avec une seule action. Aujourd'hui, l'action d'aller chercher M. Hariri de l'Arabie saoudite, c'était en fait une action pour sauver plutôt l'Arabie saoudite que M. Hariri. Comment? Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite s'est engagée dans une voie, dans une aventure sans retour, dans une aventure dangereuse. Kidnapper ou peut-être retenir contre son gré un premier ministre d'un pays est l'obligé de démissionner pour qu'il puisse être justiciable dans ce pays-là parce qu'il dispose d'un passeport saoudien. Ça, c'est un événement inouï au monde. Ça s'est jamais passé ailleurs.
Hein, même dans l'histoire. Et en plus, il était venu en visite officielle. Il n'était pas venu en tant que saoudien. On l'a convoqué. Il y a eu convocation de la part du roi. Et de la part même invité de ou convoqué. Invité ou convoqué. On peut employer le mot qui arrange le plus. Allez, invité. Il a été invité. Et même avant de descendre de l'avion, le service de sécurité sont montés jusqu'à dans l'avion, retirer ses téléphones portables et le faire descendre d'une manière non respectueuse. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, quand le monde entier a commencé à s'apercevoir de la gravité de cet acte saoudien, donc l'Arabie saoudite ne savait plus comment se dépatouiller avec ce problème, ne savait pas comment faire pour sortir de l'ornière. C'est en cela que Macron lui aurait rendu service. Tout à fait, absolument. Lui sauver la face. Parce que, voilà, il a dit aux Saoudiens... Sauf que j'ai lu, M. Zrig, dans différentes sources, pour moi non confirmées, mais peut-être que vous pouvez nous confirmer ou infirmer, que malgré sa libération apparente et son déplacement pour la France et son départ après pour le Liban, Saad Hariri n'est pas libre puisqu'on retient ses enfants contre leur gré en Arabie Saoudite. Est-ce que cette information est véridique ? Bon, l'information que ses enfants sont toujours en Arabie Saoudite, elle est vraie. Maintenant, est-ce que ce sont des otages pour contenir les actions de M. Hariri? Peut-être. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas confirmer ou infirmer. Il y avait un meeting annoncé que Hariri sera présent dans une manifestation aujourd'hui, mercredi, au Liban. Est-ce que Hariri s'est exprimé depuis son retour ou pas encore? Il s'est exprimé. Même, il y a eu quand même... Bon. Avant l'arrivée de M. Hariri au Liban, il y a eu quand même des actions diplomatiques très accélérées et très intenses autour de son arrivée au Liban. C'est-à-dire, il y a eu une action égyptienne, il y a eu une action même chypriote, il y a eu une action même, voire des coups de fil passés par les Allemands, par les Français, etc., pour préparer son arrivée, de telle manière à dire, voilà, pour l'instant, on calme le jeu, pas de démission. On ne démissionne pas. On ne démissionne pas parce que démissionner, ça n'est pas constructif. Donc là, vous voulez me dire qu'il exerce de nouveau ses fonctions de Premier ministre. Il a déclaré aujourd'hui, j'exprime pas aujourd'hui ma démission. D'accord. Donc je reviens sur ma démission. Je reviens temporairement pour voir comment on va préparer l'avenir. Donc ne serait-ce que ce mois-là. D'accord. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire en fait que lui... Mais pour les téléspectateurs qui nous regardent, je voudrais savoir une chose. Tout ceci n'est pas en vérité, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, une réaction contre le Hezbollah, qui est un État dans un État, qui fait des guerres en Syrie, qui fait des guerres au Yémen, et qui est en guerre directe avec l'Arabie Saoudite. On ne peut pas dire que le Liban n'est pas concerné. Effectivement, le Liban, en tant qu'État souverain, n'est pas concerné dans cette guerre contre l'Arabie Saoudite. Mais le Hezbollah, il est impliqué directement dans ces deux zones. Je voudrais vous arrêter tout de suite. S'il vous plaît. Vous dites que Hezbollah est engagé au Yémen, je ne suis pas d'accord. Là, c'est une information qui n'est pas correcte, qui n'est pas très précise. Non, je suis désolé, cette information est confirmée par différentes sources, y compris des NGO. Le Hezbollah n'est pas engagé au Yémen. Ils n'ont aucun soldat là-bas, il n'y a aucune balle, aucun missile qui part du Liban. Donc c'est uniquement les Houthis, il n'y a ni Iraniens, ni Hezbollah. Aujourd'hui, les Houthis, ils sont tellement puissants localement que c'est eux qui tiennent tout. Mais ça ne tient pas, cette histoire. Ils n'ont pas besoin de Hezbollah. Monsieur Ali Zrig, cette histoire ne tient pas. Les Houthis n'étaient rien avant le soutien iranien et le Hezbollah. Donc ils ne peuvent pas être puissants par un simple souffle divin. Il y a eu, à un moment donné, peut-être une certaine aide de la part des Iraniens. Oui, je veux bien. Peut-être qu'il y a eu des conseils techniques, mais pas maintenant. Il y a quelques années en arrière. Maintenant, c'est fini. Maintenant, ils maîtrisent un groupuscule devient maintenant un véritable État. Le Houthi, c'est un grand mouvement national yéménite. Ils sont très puissants. Donc, vous voulez me dire que les chiites yéménites sont une majorité aujourd'hui? Bien évidemment. Ça veut dire que les sunnites sont une minorité au Yémen. C'est des chiites zaydites. Et au Yémen, ils sont à 80% zaydites chiites. Le Yémen était 80% chiites zaydites. C'est pas à 20%, ils sont à 80%. Sauf que les zaydites, comme vous dites, ne se réclament pas tous du mouvement Houthi. Bien sûr que non. Mais une bonne aujourd'hui, ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui proposent une solution politique, ce sont les Houthis. Oublions le Yémen pour ne pas perdre en conjecture. Vous n'allez pas me dire que le Hezbollah n'est pas impliqué en Syrie. Il est impliqué en Syrie en direct, bien sûr. Directement. Bien sûr. Donc il était en guerre avec les forces qui sont présentes
ou qui soutiennent les rebelles en Syrie. Ça veut dire l'Arabie Saoudite. Il était contre les mouvements terroristes soutenus par l'Arabie Saoudite. C'est pas pareil. Vous voyez, donc là, on joue sur les mots. Il faut classer les choses. Le mouvement Daesh, Nusra, c'est pas des mouvements de liberté non plus. C'est des terroristes qui sont coupeurs de tête. Personne ne dit que Daesh est un mouvement démocrate. Voilà. Mais on va dire, les choses que telles qu'elles sont. Alors, dans ces cas, monsieur Al-Izrig, une question très claire. Si Daesh était l'ennemi de terrain et l'une des raisons de la présence du Hezbollah en Syrie, pourquoi, au moment de quitter certaines villes, en battant retraite après la défaite, est-ce que le Hezbollah a permis un couloir pour laisser partir les Daesh? C'est quand même aujourd'hui un des débats que nous suivons et que nous lisons partout dans les médias. À la fois, il y a eu un couloir au Liban. Pourquoi il n'y a pas eu extermination des Daesh? Bon, cher Tofik, une chose importante. Quand on fait la guerre, il y a des raisons pour aller faire la guerre. Il y a des raisons. On ne fait pas la guerre stupidement. Vous m'avez dit que le Hezbollah faisait la guerre pour s'opposer au groupuscule terroriste. Le mot s'opposer n'est pas juste. Moi, je dis aujourd'hui, il s'oppose à une politique hégémonique régionale imposée par le sionisme mondial, par le wahhabisme mondial, par la politique américaine. C'est contre ce mouvement-là. Et ces trois mouvements qui sont unis aujourd'hui, qui sont réunis aujourd'hui, ils ont créé ce mouvement, ce gros mouvement qui s'appelle Daesh, Nusra, et tout ce qui tourne autour. Vous allez un peu vite en besogne quand même. Nusra, c'est le mouvement des frères musulmans, ce n'est pas Daesh. Donc vous ne pouvez pas dire que l'Arabie Saoudite, qui est l'ennemi des frères musulmans, a créé les frères musulmans. Laissez-moi finir. Quand la guerre a commencé, le Qatar était avec l'Arabie Saoudite engagés tous les deux au même. Ils étaient frères. Ils étaient frères d'armes. Si vous permettez. Daesh et Nusra étaient frères d'armes. François Hollande, Fabius. Aujourd'hui, je veux dire, opposition entre deux mouvements, c'est parce que le Qatar ne fait plus partie de cette coalition. C'est tout. Donc maintenant, cette explication, elle est valable aujourd'hui. Mais il y a quelques années en arrière, non. Donc tous ces mouvements-là. Qu'est-ce qu'il est Non. Les Nusra ne sont pas frères musulmans, les rebelles. J'ai pas dit ça. J'ai dit que le Daesh et Nusra étaient cause commune. Non, Daesh et Nusra ne faisaient pas cause commune. Des frères d'armes. Si vous permettez. Non, là-dessus, c'est une contre-vérité. Daesh et Nusra se sont même fait la guerre. Il y a eu des conflits entre les deux. Il n'y a pas que Daesh, nécessairement. Tous les groupuscules intérieurs ont fait la guerre. Les rebelles n'ont pas accepté l'arrivée de Daesh. Ne l'oubliez pas, Daesh était d'abord en Irak. Daesh, ceux qui ne savent pas, c'était Daoulat Islamiyya al-Iraq wa al-Sham. Et elle a commencé au Irak, et on ne va pas faire l'histoire de Daesh au départ. C'est d'Al-Qaïda. C'est toi qui le dis que c'est des branches. C'est vous qui le dites que c'est une branche d'Al-Qaïda. C'est eux qui sont définis comme ça à la base. Maintenant, on donne crédit à ce qu'eux disent. Donc il y a quand même des historiens, il y a quand même des observateurs. Daesh n'est pas Al-Qaïda, ils sont même en conflit. Il y a eu même un appel de Baghdadi à ce que Zawahiri prête allégeance, et Zawahiri a refusé de prêter allégeance. Zawahiri, à un moment donné, il a appelé à ce que ce mouvement-là continue à porter allégeance Al-Qaïda, à la base. C'est comme ça que c'est passé. Donc s'il lui demande de porter allégeance, c'est qu'il ne fait pas partie de lui. Continue à porter allégeance. Bon, on continue, on va pas... Je vais pas dire que... On continue. Oui. Donc non, aujourd'hui, la région, il faisait cause commune à un moment donné pour renverser Bachar al-Assad qui était en place, et pour occuper le terrain syrien. Il y en a qui se battaient pour faire passer un gazoduc qatari via la Syrie jusqu'à la Turquie. Une question qui se pose. Oublions pour un certain temps Hezbollah. Non, parce qu'on s'élargit trop. Oublions Hezbollah, oublions l'Arabie Saoudite et tout ça. Oui. À la base, le mouvement de rebelles parti de Daraa, sur la frontière de la Jordanie, c'était quand même une chose réelle, avérée, connue, contre un régime autoritariste, dictatorial de Al-Ba'ath, et pour ne pas dire de Al-Assad, parce que l'Assad n'est que la tête de l'iceberg. C'est quand même pas une démocratie, la Syrie. C'est vous qui le dites. Moi, aujourd'hui, je me demande, est-ce que l'Arabie Saoudite, c'est une démocratie?
Non, 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 la question n'est pas l'Arabie. Ma question est précise. Est-ce que le Qatar est une démocratie? Ne me répondez pas comme un politicien que vous êtes. Non, mais. Vous tournez en rond. La Syrie est une dictature. Mais on n'est pas en train de faire une politique. Dans la région, il n'y a aucun régime démocratique. Je vous pose une question claire. Une question claire. Ne me parlez pas des autres États. Voilà. La Syrie, c'est un régime démocrate? Et le peuple élit un président. Unique, un candidat unique. Absolument. Oui, ouais. C'est une grande démocratie. On continue. Ouais. Donc, c'est aujourd'hui... Chose qui a changé. Aujourd'hui, les soubresauts que nous vivons ouais. et que nous connaissons, tout le monde le sait, c'est une guerre fratricide entre chiites et sunnites. Non. Et quand je dis, pardon, laissez-moi finir ma question et vous direz votre opinion. Je suis pas d'accord. Vous avez le droit de pas être d'accord. Je vous pose une question, laissez-moi finir de poser la question. Ce qui est vu et compris et perçu étant comme une guerre fratricide entre sunnites et chiites, une partie d'entre eux en tout cas, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est une lutte d'influence qui contrôle le Moyen-Orient, qui contrôle la région pour des raisons énormes, à la savoir des raisons économiques, le pétrole, les ressources, mais également l'influence religieuse. Aujourd'hui, on est dans un changement colossal. Il y a un cataclysme au Moyen-Orient. L'Iran s'en est sortie après plus de 30 ans d'enfermement et aujourd'hui, elle veut jouer son rôle pleinement dans le Moyen-Orient. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas une véritable lutte entre les deux courants de l'islam aujourd'hui. Il y a toujours une histoire vieille de 1400 ans. Hein, il y a non. Ne noyez pas ça dans l'histoire. Je vous parle de présent, monsieur Alizric. Je vous parle de présent. Laissez-moi arriver jusqu'à vous expliquer. Oui, allez-y. Donc aujourd'hui, il y a certains leaders politiques régionaux qui veulent que cette guerre soit une guerre fratricide entre chiites et sunnites. Alors que ce n'est pas vrai. Parce que récemment, il y a quelques 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans en arrière, quand cette guerre a éclaté en Syrie, une bonne partie des sunnites qui se battaient avec le régime baasiste en Syrie, qui se battait avec l'armée irakienne qui se trouve à majorité chiite en Irak, même il y a une bonne partie au Liban également qui s'est décrétée contre Daesh. Daesh c'est un mouvement wahhabite, peut-être de la mouvance sunnite, mais vraiment extrêmement extrémiste. Ça c'est vous qui le dites, vous avez des preuves que c'est un mouvement wahhabiste Daesh? Il y a d'autres analystes qui l'attribuent aux sionistes. Je suis désolé, il y a... Non, mais tout à l'heure, vous m'avez dit, c'est pas prouvé. Je vous pose la même question. C'est la même école de pensée. C'est qui le dites. Oui, bien sûr, c'est moi qui le dis. Il n'y a pas de preuves. On a des preuves. Allez voir sur Internet, partout où vous voulez. Allez voir le comportement, ce qui se passe en Arabie Saoudite, comment on coupe la tête des gens, comment on coupe les mains des gens, comment on pousse les gens. Je peux vous opposer la même chose des horreurs commises par les chiites en Irak. Donnez-moi une preuve. Ah, il y en a. L'Internet dont vous parlez est plein foison de films, si vous permettez. Je ne suis pas d'accord. Je comprends que vous ne soyez pas d'accord. Non, mais, je ne suis pas d'accord. Là, vous dites, le Hajj de Chaabi, les crimes commis contre les sunnites en Irak, ce n'est pas une vision de l'esprit. Il y a une extermination des sunnites en Irak. Ça n'est pas vrai. Il y a 2 millions de sunnites qui ont été exterminés. Non. Aujourd'hui, l'Iran gouverne directement en Irak. 2 millions. Tu es en Irak, c'est les sunnites. 2 millions de sunnites exterminés, pas les 2 millions tués en Irak. Non, je ne suis pas d'accord. Là, aujourd'hui, oui, en Irak, s'il y a 2 millions de morts, oui, mais il y a au moins la moitié des chiites. Pourquoi? Parce qu'il y a 1 million qui ont été tués par... Vous êtes le seul qui refuse l'évidence. Par des bombes daïchites qui sont exposées dans l'Irak. Daesh a tué 1 million d'Irakiens. Ah bon? Non, je vous pose la question. Non, parce que venez de me dire 1 million. Ils faisaient du piano, les Non, mais c'est pas ça. Ils ont tué 1 million. Ils n'ont pas tué peut-être 1 million, peut-être 800 000, peut-être 500 000, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je peux dire. Quand on parle de ça, il faut être précis. Non, mais toi, tu me dis, les chiites, ils ont tué 2 millions de sunnites. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et d'où tu me sors ces chiffres? Vous avez parfaitement le droit de parler. D'où tu me sors? Moi, tu me sors des chiffres. Je le sors de chiffres d'associations militantes et des ONG. C'est qui ces ONG? Allez sur Internet. Non, je n'ai pas les ONG. Aujourd'hui, moi, je peux dire. Vous m'opposez Internet comme source. Je vous oppose Internet. Très bien. Dans ce cas-là, on n'est pas d'accord sur ce point de vue. Non, je n'ai pas d'accord. Personnellement, moi je pose des questions. La question, je peux vous garantir aujourd'hui que ce qui se passe en Irak, ça n'est pas une guerre fratricide entre chiites et sunnites. Et si, à un moment donné, il y a des gens qui ont voulu que ça se fasse comme ça. C'est pas une extension du pouvoir iranien? Aujourd'hui, soyez honnête. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des alliances qui se font dans la région.
Il y a des alliances qui se font dans la région. Ah, c'est une alliance. Il y a des, bien sûr, c'est une alliance. Il y a des alliances. Il y a une alliance qui se fait entre aujourd'hui le régime Bachar el-Assad avec, les Irakiens, avec les mouvements des Palestiniens, avec le Hamas. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Avec le Hamas. Où est-ce qu'on va aujourd'hui, Alizéric? Tu ne me donnes pas la possibilité de finir ma phrase. Donc, c'est cette mouvance. Si, l'idée est reçue. C'est cette mouvance de résistance qui s'étale depuis l'Iran, Irak, Syrie, Liban, de résistance Palestine. À quoi? Résistance contre le grand plan préparé par le groupe sioniste. Ah bon? Pourtant l'Iran a signé les accords avec Obama. C'est sioniste. Si s'il y avait une résistance, il signerait pas. Saoudien. Je vous pose une question, vous me parlez de résistance, mais l'Iran avait signé la paix avec l'Amérique, le grand Satan. À l'époque d'Obama. Non, on n'a pas signé la paix. Il ne faut pas le voir comme ça non plus. On peut faire de la politique, mais c'est pas la peine d'être stupide. Et lorsqu'ils signent, on est dans des pays, dans le système international qui existe, et les pays se reconnaissent entre eux-mêmes. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, quand l'Iran a discuté pour avoir ses droits pour l'enrichissement de l'uranium et un programme nucléaire civil, mm-hmm. C'est cette signature, ça n'est pas avec le grand Satan. C'était avec un pays qui s'appelle les États-Unis, la politique, pas les Américains. Mais c'est pas ce pays qui a été qualifié par Khomeini de grand Satan? Bien sûr, c'est d'accord, bien sûr. D'accord, alors je n'invente c'est... pas. Oui, non, vous venez de me le dire. Non, je n'ai pas dit que c'était stupide. C'est dire, le fait de dire, en fait, d'aller ridiculiser, réduire tout l'Iran à une phrase, dire voilà que les États-Unis c'est grand Satan, puis on s'arrête c'est là. C'est pas une phrase, c'était quand même une théorie politique et idéologique de l'Iran d'une certaine époque. Au départ, oui. C'était le grand Satan pendant plus de 20 ans. Au départ, oui, et tant qu'aujourd'hui, c'est quoi Satan? C'est celui en fait qui pousse à avoir une certaine politique qui ne convient pas au peuple. On va trouver une autre appellation aujourd'hui. L'Amérique, ça devient Angeville. Donc c'est l'ange et les villes et le diable. Donc l'ange et ville. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je voudrais aujourd'hui, vous qualifiez la politique de certains alliés du Moyen-Orient, alliés de l'Iran, comme seule et unique résistance à un plan de modification du Moyen-Orient. C'est quoi ce plan? Non, ils ne veulent pas modifier quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a un plan qui est imposé par ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé Bush d'ailleurs, Al-Fawda Khalaqa, c'est-à-dire la destruction en fait, créatrice. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas les Iraniens, ce n'est pas les Syriens. Le chaos créateur. Oui. Le chaos créateur, voilà, on va le dire comme ça. Alors ce chaos créateur, c'est ça en fait qu'ils veulent imposer dans la région. Puis dire voilà, on va tout casser. Oui, mais quel est le but? Quel est le but? Mon but à moi? Non, le but des américano-sionistes. Pourquoi? Pourquoi ce plan? Pourquoi ce nouvel ordre? Pourquoi ce nouveau Moyen-Orient? Bush-père. Parce qu'aujourd'hui, comme vous savez très bien, le Moyen-Orient a été divisé après la Deuxième Guerre mondiale, avec un traité qui s'appelle Sykes-Picot, que ce traité a divisé ces régions-là. Il est mort, ce traité, c'est fini maintenant. Il est mort. Maintenant, il faut trouver un autre traité. On lui redessine des frontières. Voilà, il va leur redessiner des frontières, parce que ce plan... Sauf que vous n'avez pas invoqué à un seul moment la Russie, aujourd'hui, qui a permis quand même le succès que s'attribue le Hezbollah, c'est quand même grâce à la Russie. Bien sûr, grâce à la Russie, grâce à toutes ces forces-là. Voilà. On a une grande chaîne, d'ailleurs, la Chine, la Russie, je mets là-dedans également les Pakistanais, les Indiens. Et, bon, le Français que vous êtes, oui. Alizéric, où est-ce qu'il se situe dans tout ça? Il doit être tiraillé quand même, un pied et le cœur dans cette région, parce que vous le vouliez ou non, vous êtes natif de cette région et ce qui s'y passe vous concerne. Et une politique qui n'est pas du tout claire de la France, que ce soit sous Sarkozy qui était la cause d'un chaos terrible en Libye ou ailleurs, Sarkozy votre patron dans les Républicains, et la politique de Fabius et Hollande et leur implication à la fois en Syrie, au Mali et ailleurs, la France a semé désordre et terreur. Bon, les politiques français, ils ont leur raison, certainement. Moi, je ne peux pas partager de tous ces plans, toutes ces actions, tous ces engagements, parce que pour moi, à un moment donné... Ils étaient contre quand même le gouvernement syrien, et M. Fabius disait « les jeunes font du bon travail ». Vous avez oublié cette phrase? Fabius, ce qu'il avait dit là, en fait, il a soutenu Nosra, qui est un parti... D'Al-Qaïda. D'Al-Qaïda, un parti terroriste. Une branche reconnue et réclamée d'Al-Qaïda. Oui, absolument. Oui. Nosra, bien sûr. Voilà, donc, et là, moi, le français que je suis, moi, je suis pour
pour que la France retrouve son rayonnement dans la région, bien sûr, mais pas de cette manière, pas à la manière américaine. Est-ce qu'elle va pas perdre pas la manière américaine. Est-ce qu'elle va pas perdre derrière le coche. Pas derrière Obama. Est-ce qu'elle va pas rater encore un rendez-vous avec l'histoire. La France a toujours été une alternative. C'était une alternative pour une solution équilibrée dans la Est-ce région. Est-ce qu'elle l'est toujours aujourd'hui? La France, moi, je trouve avec la dernière action faite par M. Macron, et je trouve qu'il y a un retour à une France équilibrée. Par cette action qui a été faite. Il y a et une... c'est dit par un LR. Hein. Absolument. D'accord. Et là, lorsqu'on est à LR. La République en Marche va être content. Écoutez, aujourd'hui. Vous direz que le Premier ministre sort de chez vous, quand même. Tout à fait. Mais aujourd'hui, je ne soutiens pas non plus le Premier ministre parce qu'il a quitté le LR. Ce n'est pas comme ça que je fais. Moi, je suis toujours LR. Mais lorsque notre président de la République fait du bon travail, je peux reconnaître. Lorsqu'il ne fait pas de bon travail, je peux le dire aussi. Mmh. Et aujourd'hui. Quelle est la porte de sortie pour le Liban après tout ça? Et est-ce que l'Arabie Saoudite, avec cette expérience malheureuse, parce que quand on analyse objectivement, ils ont perdu, est-ce qu'ils vont continuer dans cette voie? Le Liban, aujourd'hui, s'inscrit sur un échiquier régional. Cet échiquier régional se compose de plusieurs acteurs. Aujourd'hui, il y a un acteur qui a pratiquement tout perdu, qui est l'Arabie Saoudite, mais il s'est aujourd'hui trouvé un allié de taille, il s'appelle Israël. Ils se sont fait un allié, une cause commune aujourd'hui, et même à un tel point que lorsque j'entends un certain Bialon qui dit, pas plus son nom, l'ancien ministre de la Défense, il dit que ce que dit le roi saoudien en arabe, nous on le dit en hébreu. Voilà. Donc, et ça veut dire en fait. Qu'est-ce que ça vous fait en tant que musulman d'entendre un ministre israélien inviter le grand mufti d'Arabie Saoudite, Abdelaziz Al-Sheikh, parce que ce dernier a prioritisé les combats en disant il n'y a aucune urgence à se battre contre Israël, il n'y a même pas de raison à se battre contre Israël, en gros, je schématise, et que l'ennemi numéro un, c'est le chiisme aujourd'hui. C'est tout à fait stupide ce qui a été dit, surtout sous cet angle, parce que dans la région, on a les habitants de cette région, ils ont un certain ADN. Je reprécise les choses, hein. Ça n'est pas contre les juifs, au contraire. Il y a beaucoup d'habitants qui sont juifs dans la région, qui sont natifs dans la région, et ceux-là, bien évidemment, ils sont chez eux. On n'est pas contre les juifs. Parce qu'on est contre les juifs, c'est pas la question. Aujourd'hui, il va falloir rétablir un certain équilibre régional, redonner cette terre occupée à son peuple de vous base. Vous voyez qu'on arrive à s'entendre. C'est comme ça que je pense. Allez, Zrig, ça va être le mot de la fin. Vous voyez qu'on arrive finalement à s'entendre. C'est rétablir l'équilibre dans la région. Et pour rétablir l'équilibre dans la région, on passe par ces luttes et ces guerres, entre guillemets, même pas entre guillemets, guerres directes, par groupes interposés entre la puissance sunnite et la puissance chiite. Par contre, je voudrais juste, par dernière phrase, c'est que pour dire qu'aujourd'hui, cette histoire du Liban, c'était juste pour cacher une grande histoire qui reste dans l'agence, c'est pour dire, voilà, le Liban contre l'Yémen. Abandonnez, essayez d'être neutre, le Liban, dans votre comportement régional, d'accord? Laissez le Yémen tranquille là où il est, et surtout, il ne faut pas l'ouvrir lorsqu'il va y avoir une paix qui va se décréter et une relation normalisée entre l'Arabie Saoudite et Israël. Voilà, c'est comme ça. Merci à Ali Zrig d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mesdames et messieurs, merci.